Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien en ce moment pour tout le monde. Durant cette période de pleine lune des poissons, et je me suis sentie inspirée à réaliser un horoscope avec la lecture de mare de café dans cette tasse merveilleuse. Et puis, je prépare un café pour chacun des signes. Et puis, je demande à l'esprit de la vérité pour me passer les messages. Donc, vous avez besoin d'entendre en ce moment pour certaines raisons, ok? Et prenez les messages qui résonnent en vous et laissez d'à côté ceux qui ne résonnent pas parce que peut-être il y a d'autres personnes de notre petite famille avec qui il résonne. Donc, tout est bien, tout est correct. J'espère vraiment. Et la seule intention pour laquelle je fais ça, c'est pour que ça puisse vous aider à confirmer certaines pensées ressenties, etc. Et ça vous aide à reprendre la confiance et les pouvoirs sur vous-même et faire cette vie d'une manière plus à l'aise, plus agréable, plus en paix avec vous-même. Ok? Donc, on va découvrir quel est le message pour vous. Et vous pouvez, et j'y profite pour dire, profiter pour regarder les signes qui correspondent à votre signe solaire, lunaire et l'ascendant. Aussi la position de votre planète Vénus par rapport à l'amour, si vous voulez savoir. Et donc, si vous ne savez pas quel est votre signe ascendant ou quel est votre signe lunaire, n'hésitez pas à me contacter, je vous dirai ça avec beaucoup de plaisir. Et en disant tout cela, on commence avec toute cette merveilleuse lecture pour vous tous. Voyons donc, maître cher Capricorne, qu'est-ce qu'il y a pour vous dans les fonds de cette tasse? On va voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? D'accord. Parmi vous, ou entre vous, il y a certaines qui sont en train de suivre vraiment l'idéal, le rêve, avec beaucoup de foi, beaucoup de passion, ferveur. Et il y a beaucoup de valeurs spirituelles impliquées ici. Mais en fin de compte, parfois, vous vous découragez parce que c'est quelque chose que vous regardez de loin et vous semblez courir après toute votre vie, ok? Et ça, parfois, ça décourage parce que vous dites « Bon, je vais passer le reste de ma vie à courir derrière la carotte. C'est quand que je vais y arriver ?» Par contre, votre valeur, votre foi, votre... ferveur, c'est tellement forte que vous ne pouvez pas quitter malgré que les mentales se posent des questions, ok? Parce que vous avez une pulsion qui, je pense, j'ai l'impression ici que ça vient de très très loin, ça vient même pas de cette vie. Ce que vous voulez et les valeurs que vous voulez développer et tout ce que vous voulez matérialiser, ça vient d'avant. C'est une pulsion très grande derrière vous, ok? Mais vous découragez parfois, voilà. Donc, ne découragez pas. C'est exactement ce que vous devez faire, indifféremment, et si vous allez le matérialiser ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que dans les processus de vouloir matérialiser, réaliser certaines choses, vous vous transformez, ok? Et vous évoluez, vous avancez vers le soi, l'incarnation du soi divin que vous êtes. Voilà ce qui compte ici. Donc, ne découragez pas. Continuez tel que vous le faites avec toute cette ferveur et cette valeur de tout cœur. D'accord. Il y a ici une chute avec un parachute. Donc, c'est comme si il se peut que vous êtes en train de faire une descente en quelque part, en quelque sorte, un aspect de votre vie, vous êtes en descente. Mais vous sentez bien que vous êtes soutenu et que ce n'est pas une chute catastrophique, c'est une chute qui est conduite, qui est doucement, vous descendez, mais doucement soutenu et vous n'êtes pas seul, ok? Vous n'êtes pas seul du tout.
Donc, faites confiance, peu importe l'apparence de la situation. Et la situation est juste, parce que tout est juste toujours, énergétiquement parlant. Et donc, ce qui arrive, c'est soutenu et vous n'allez pas tomber et vous écraser par terre, ok? Mais c'est vrai que votre monde, c'est un peu dans l'air en ce moment. Mais vous n'êtes pas seul. Et vous êtes vigilé, vous êtes accompagné dans votre processus, ok? Quand vous regardez quelque chose, ça fait incidence à nouveau. Vous n'êtes pas du tout seul. Et chaque fois que vous allez prendre une décision, que vous regardez quelque chose pour faire quelque chose ou décider quelque chose concernant une personne ou une situation déterminée, il y a plusieurs à observer et il y a plusieurs à discuter sur la décision finale dans votre conscience. Vous n'êtes pas du tout seul, ok? Et vous êtes bien, bien guidé. Derrière vous, vous avez les dos bien couverts. Faites-vous confiance, d'accord? Parce que vous pouvez largement. Ok, c'est le message que je peux vous passer de manière plus générale. On va compléter cette lecture avec les tarots. On va voir qu'est-ce que les tarots a à nous dire pour compléter cette interprétation et ces messages que je vous passe ici aujourd'hui. Ok, quel est le message ici pour Maître Cher Capricorne? D'accord. Il y a plein de cartes. D'accord, ça aussi. Parce que je l'avais vue en plus, cette carte, je l'avais vue. Fin de cycle, dos de cartes, réussite, célébration, ok? Réunion et reconnaissance sociale. Pour certaines raisons, je ressens ici reconnaissance sociale en quelque part, ok? Alors, voyons donc les cartes qui sont sorties ici pour vous. Plein de cartes, d'accord? Laissez-moi le temps de composer cette image. Alors, déjà, il y a quelque chose qui est important. Vous êtes en train de vous compléter divinement. Ça, c'est votre âme, ok? Et c'est votre... Le lion est le symbole de l'âme. Et vous êtes poussé par votre âme qui regarde toujours l'horizon étoilé et un horizon de liberté et de création pure, ok? C'est une chose qui est vraiment très riche. C'est ce couple qui est l'empereur avec l'impératrice. Ce couple est déjà en vous. Vous êtes en train de vous compléter et de vous réunir et d'acquérir ce magnifique équilibre masculin-féminin, douceur, puissance, okay? Capacité de décider quel est le monde que vous voulez créer et la capacité de les créer. Okay? Donc, vous êtes vraiment motivé par le feu de l'esprit, par la créativité pure. Et pour vous, il y a un nouveau commencement parce qu'il y a ici la fin d'un cycle. Donc, peu importe l'apparence de la situation que vous vivez, et c'est juste et ça vous amène à la fin d'une manière de comprendre qui vous êtes, la vie que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui et la manière dans laquelle la vie fonctionne. Maintenant, vous avez le choix de choisir un nouveau chemin et planter de nouvelles, on va dire, graines, nouvelles visions. Réfléchir peut-être à quelle est la nouvelle vision et mission de vie qui vous correspond pour celle ou celui qui vous devenez aujourd'hui, ok? Et là, c'est le moment de vraiment se sentir libre d'exprimer tout cela. Le 7 épée, c'est quelqu'un qui garde des secrets, qui garde des pensées, mais avec le cavalier des pentacles ici, c'est quelqu'un qui doucement mais sûrement va libérer et va exprimer toutes les pensées et va les matérialiser, ok? Parce que vous êtes en train de regarder un nouvel horizon, une nouvelle vision de vie, ok? Voilà mes très chers Capricorne, j'espère que quelques messages dits ici vous aident en quelque part. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt!